Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pas vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo pour faire le défi les gars, le défi de l'oasis de fraîcheur. En gros ça va avoir le terrain entier, ce genre guéri, ça guérit les tours et les troupes. Donc ça défi assez intéressant les gars, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Mettez un petit commentaire les gars, ça fait toujours plaisir aussi. Et aussi, si les gars voulaient venir à mon clan, c'est le Belgium. Voilà, j'ai pas mal d'échanges, j'aimerais bien qu'on passe. Là, comme j'ai fini de max, entre guillemets, en termes de légendaire, mon 2.6, du coup, je max le PK Bruxpub, qui est je sais pas où, qui est là. Du coup, bah, j'ai besoin de fantômes, mais vas-y, j'ai demandé des trucs comme ça, j'ai demandé des boules de feu, etc. Donc, n'hésitez pas à venir, les gars, ça me fait plaisir, et puis voilà. Passons au vide du sujet. Alors les gars, je vous ai concocté un petit deck. Un petit deck qui prend courant très finement, je l'ai fait sur mon gros compte. Bon, c'est expéditif, hein. Je vous le dis, c'est expéditif. On défend, dragon, Nightwitch, guérisseuse, god d'élixir, barba d'élite, tornadrage. Hop, on n'en parle plus. Partons directement dans cette première game contre CR. Allez, alors, c'est pas compliqué. Ok, sorcière de la night. Guérisseuse. Dragon, golem d'élixir. Là, en fonction de ce qu'il met, bon, là, le frérot, il a des sapeurs 6, donc il va pas aller bien loin. Mais on spam, c'est pas grave, même si le truc dragon, on spam. La sorcière de la nuit qui va faire le taf, là, on peut mettre une petite rage pour deux familles pour faire plaisir. Hein. On peut évidemment tout en adore, ça marche aussi. Hein. On tornade tout. Et voilà, regardez la tour, hop, la tour, tout, 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 magique, 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 bah y'a plus de tour. Et là ensuite, bah évidemment qu'on continue à spammer toute notre daronne. Et voilà, bon les gars, je suis désolé, la vidéo va durer 5 minutes. Parce que j'ai envoyé mes adversaires, bah, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, gros, parce que là, ouais, c'est, bah voilà, voilà, bon, première game, 2 minutes. Enfin, même pas, un petit jeton, hop, c'est parti, deuxième game, c'est parti contre Kid King. Ah, les gars, on a la même main de départ. Bon, on fait la même. Allez, c'est parti, Nightwitch, guérisseuse, dragon, golem d'élixir, c'est tout. C'est vraiment pas plus complexe que ça, hein. Ensuite, bon, même s'il a MK, il peut avoir MK, tornade, tout ce que tu veux, gros. Tu fais ça, et voilà. C'est tout. Le frérot là, il va pas faire grand chose. Il peut spam, hein. Il peut, hein, s'il veut. Ça marchera pas, les gars. Je vous le dis, ça marchera pas. Je l'ai déjà testé sur mon gros compte. Contre le plus gros counter, c'est quand le mec il met bourreau de tornade gem. Ça détruit tout. Genre ça, typiquement, exactement ça. En général, ça n'explose toutes mes troupes. Mais là, j'ai déjà 3 accumulés pour lui et il peut rien faire. Hein. Le frérot là, il va se faire défoncer. Il y a trop de dragons pour lui là. Là moi je continue à mettre une grosse pression pour qu'il puisse pas attaquer. Enfin, ni défendre d'ailleurs. Hein. Voilà, on continue à mettre les dragons c'est ce qui fait la force de votre deck les gars. La guérisseuse aussi. Alors, en fait le deck fait la force du deck en fait déjà. Hop. Tu mets une petite rage en plus et voilà. Le mec a défendu tant bien que mal. Hein. Vraiment le mec il a vraiment tout mis pour défendre. Mais comme vous voyez, ça n'a pas suffi. Hein. Vraiment, je mets un push, un gomme d'élixir, ça tank, le reste il fait le taf. Et pourtant, regardez, il est quand même sorcier gel. Hein. Sorcier MK gel, on va regarder vite fait le matchup pour l'ospi là. Putain, je suis con. Ouais. Il est quand même sorcier gel MK quand même. Avec une petite Valkyrie aussi. Donc, c'est pas forcément évident. On tue le petit jeton, ça fait plaisir. C'est parti pour la troisième game contre ce monsieur de Mesa Membas. Ok, bah, pas de soucis, Nightwish, Golex. Ok, le frérot il avait envie de tout mettre au pont, bah il met tout au pont, il n'y a pas de soucis. Vraiment, il n'y a aucun souci, les gars qui mettent au pont. Vraiment, là, vraiment les gars, il n'y a aucun souci. Genre, allez, voilà. Alors, la tour se régime tout seul. Et là, tu en mets un Golex, tu en mets un dragon, et là, bah... Vous savez ce qui se passe, les gars, là, vous savez ce qui se passe. C'est la fin, c'est la fin. On continue à se faire un coup, on s'en bat les couilles.
Franchement, il y a encore un gel, hein. Pourtant, le gel qui est beaucoup joué. Mais bon, ça ne suffira jamais à défendre, là, il y a trop de trucs, là, c'est... Ça, c'est indéfendable, ça. Frérot, là, il peut faire ce qu'il veut, ça défendra pas. Je crois que le seul counter qui est Azdeck, c'est une roquette, hein. Honnêtement, les gars, le seul counter Azdeck, c'est la roquette. Ah ouais, ça fait une vidéo vraiment courte, quoi. C'est vraiment très expéditif, quoi. Ok, avant-dernière game contre Trainer. Bah là, on a une main de départ qui nous permet de. Bah en fait, à chaque fois, on a toujours une bonne main de départ, entre guillemets. Ah, on a le Golex sans Vaskar, c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Regardez, on fait ça. On fait ça. On défend pas parce que. On s'en bat les Yux. J'ai peut-être quand même juste défendre, histoire quand même de pas prendre le front point, ce serait quand même assez con. C'est problématique, hein, ces artificiers, ces archers là, gros. J'avoue, c'est problématique. Mais bon, comme vous voyez, encore une fois, ça défend pas. Hein. Ça défend absolument pas de push. Et là, du coup, bah là, on continue à spam, hein. Là, on s'en bat les Yux. Là, on va juste 3 couronnes, là, on va juste essayer de tempo un maximum. Et puis voilà, c'est le GG contre Trainer qui a tenté de vouloir trade avec moi, mais ça ne marchera pas. C'est. Ouais, c'est. Bah oui, c'est normal que ça marche pas après tout. Voilà, petit jeton, les gars, nous partons d'attendre dans cette dernière game avec ce Golex. Bah, nice, hein. Lourd, lourd le jeu. Du coup, je disais, on part sur cette dernière game contre Madara 76. Ok, on va tanker avec un Golex. Hop, et là, on met toute la daronne derrière. C'est parti. On accumule un petit peu avant de mettre des tornades, un peu bêtement. On accumule. Ouais, il a besoin de tornades en vrai. Voilà, ouais, il va juste se faire soulever, hein, c'est tout. Hein. Là, je reconnais ça. Hein. Ça va juste se faire défoncer, ça Valkyrie qui va se faire one shot, et là bah les gars, hein, je pense que vous connaissez la suite encore une fois. C'est comme depuis tout à l'heure, la suite logique du 3 couronnes. Et puis voilà les gars, hein, on terminera sur ce magnifique gameplay de type sparring, no skill, et castage de téléphone aussi pour l'adversaire. Et puis voilà, bah regarde, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire. Hein. Déjà que guérisseux, c'est sûr que ça guérit, mais en plus, il y a le terrain guéri. C'est compliqué. Voilà, franchement, c'était très expéditif. Hein. C'était facile, facile. Facile, j'ai un autre à dire. On ouvre le petit coffre, c'est plaisir. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Bah, de la boule de feu, la boule de feu, la boule de feu, la boule de feu, la mousquetaire, ça me va. Et ça, bah, je fais un truc utile. Bah, je vois un peu de trucs utiles. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était vrai coup. Ciao.